Eh bien bonjour, nous allons vous présenter donc le kit de chez Owi, qui est un bras robotique avec une interface USB à côté. Donc on va tenter de faire ça avec mon fils qui est juste à côté. On peut dire bonjour. Hein. Bonjour. Ce kit nous a été prêté par c'est Robot Shop qui, par le biais du site Let's Make Robot, fait des prêts pour qu'on puisse faire des essais de différents produits. Et donc, avec Tom, on va essayer de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte et puis on vous fera après quelques vidéos de montage en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc, on va peut-être commencer tout bêtement par ouvrir. On va laisser de côté le kit USB et puis on va attaquer la boîte principale. Allons-y. Donc, il n'y a pas 3 tonnes de scotch apparemment. Alors, qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Montre-nous ça. Là, il y a les contrôleurs, les cartes. Voilà, a priori, c'est ouais, la partie électronique avec la carte. Ouais. Ensuite, des engrenages, des ressorts, des fils. Ouais, il y a pas mal de câbles et de vis dans celle-là, ouais. Après, bah, des câbles. Encore des câbles, je sens qu'on va s'amuser avec plein de câbles. Et les moteurs. Ah, et les moteurs dedans. D'accord, ouais. Bah, la structure en plastique pour le robot. Ouais, ça sert de la pièce principale pour la base et puis peut-être des bouts de moteur, ça, non? On vous sortira ça tout à l'heure, l'ensemble, on vous l'étrira un peu pour vous montrer. La manette, qui doit être aussi montée d'ailleurs. Exact. Oui, parce que le bras robot, visiblement, se pilote à la fois avec une télécommande filaire ou par le biais d'une interface USB. Et le reste de la structure. Ouais. Et le joli petit manuel au fond qui va bien nous servir. Eh bien, on va trier un peu tout ça, je pense qu'on va faire aussi un petit peu de nettoyage des plastiques une fois désassemblés et puis on vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Bon ben on a sorti donc toutes les pièces un peu de leur sachet pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans et puis ben maintenant on va attaquer l'étape où on va séparer les pièces plastiques et puis faire ça un peu proprement avec des petits coups de lime s'il y a besoin, rendre ça propre. A tout de suite.